Le projet s'appelait Invasion dansée. Et donc l'idée, c'était d'amener les gens à bouger ensemble d'une manière peut-être un petit peu différente. Donc on a travaillé autour d'une manière de bouger ensemble qui s'appelle le flocking, comme se déplacent les oiseaux ou les poissons tous ensemble. Et alors on a travaillé autour des quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Un musicien accompagnait chaque groupe qui évoluait, qui dansait ensemble, aussi animé et inspiré par ces éléments de la nature. Cette performance participative a eu lieu le 17 mai à la Cité Modèle. Et avant ça, on a fait des ateliers participatifs avec différents groupes des habitants de la Cité Modèle. Le jour même, les gens venaient avec un légume. Ensuite, on est parti danser dans la rue et puis quand on est revenu, on a eu l'occasion de partager une bonne soupe. Lors de chaque atelier, lors de la performance participative, l'idée c'est de travailler sur ces notions de gestion d'énergie, d'énergie corporelle, individuelle, collective, comment on fait pour bouger ensemble, communiquer ensemble. C'est le partage d'une consigne corporelle très simple qui veut simplement qu'on fait la même chose, on se laisse entraîner par la personne qui est devant nous. Si on change de direction, on va suivre quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi des questions plus sociales, je veux dire, qui sont interrogées par là, à savoir qui prend le leadership, quand, comment est-ce que chaque individu peut s'exprimer et que collectivement ça donne quelque chose de cohérent. On était le 17 mai, une soixantaine de personnes lors de l'événement, la performance participative réellement, mais on a touché beaucoup plus que ça durant les ateliers qui ont précédé la performance en tant que telle. L'envie, c'était vraiment d'aller développer tout ça avec des gens qui ne sont pas spécialement dans une dynamique artistique ou de danse. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête de quartier de la Cité Modèle, on a proposé de refaire une petite expérience de cet événement.